Bonjour les amis, bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur la suite de votre Let's Play sur Disney Infinity, Star Wars, Twilight of the Republic. Je vous rappelle que dans l'épisode précédent, donc, nous avions réparé un bolide de course, un module de course, mais dans le but de faire tout simplement la course de module organisée par Jabba the Hutt. Dans le but qu'il nous révèle des informations sur le droïde que nous avons Dis à actuellement. Windu que nous sommes quittes. Et c'est parti. Un module de course prêt pour grimper sur le podium. Padawan Tano, j'agis selon les ordres. Donc. C'est parti. J'espère que ça va pas être trop l'enfer en termes de maniabilité, parce que les véhicules sur ce jeu, c'est pas la folie. Hein. Bon, on est qu'à deux, ça devrait aller. Les champions traversent le canyon en trombe et continuent allègrement de prendre la vitesse. Ouais, en vrai, c'est horrible à gérer. Autant avec une voiture ou une moto dans la toy box, ça va. Autant le truc là. Oh. Quand je vois la distance qu'a déjà pris ces Bulba, ouais, c'est pas gagné. Oh oh, ils viennent d'entrer dans les virages du canyon des Lunes, où les amateurs mordent la poussière et où les champions prennent la fête. Le public de l'arène se lève de la salope, tandis que les pilotes font leur apparition dans le lointain. Ah, il est pas trop loin, c'est peut-être pas si perdu que ça. Maintenant qu'on a fait un tour de chauffe pour voir un petit peu, il y a moyen qu'on arrive un peu à comprendre comment ça marche. Anakin l'a fait en son temps quand il était gamin, son padawan en est tout aussi capable. On va essayer de prendre à gauche ici. Non, j'étais bien en tête. En plus c'est le dernier tour, c'est pas le même. C'est pas maintenant qu'il faut. Voilà. On l'a eu. Et en vrai, c'était assez serré quand même.
Bon, il n'y a plus qu'à retourner voir Jabba du coup. Je ne fais que mon devoir de Jedi. J'aimerais voir la tête de Jabba le Hutt quand il va devoir te payer sa dette. Tu devrais vite aller à sa loge avant qu'il ne te fausse compagnie. C'est peut-être pas Je faux. passe devant. Allez, on file. Ah, quelques ennemis au passage. Tu vas perdre. Alors, les ennemis avec bouclier, c'est toujours un petit peu plus chiant à gérer. Voilà. Laissez passer la star. Oh, tant de chargement. Est un marché, Jabba. Parlez-nous un peu de TD. Pourquoi était-il dans l'usine de droïdes sur Geonosis? Michichapa ta droida antupuli yama kankoda tua shadow collective. Le collectif des ombres. Dark Maul est derrière toute cette affaire. Pour Dark Maul, une arme redoutable, ce droïde serait. Des plus inquiétants. Cela est. Où a-t-il emmené les machines de guerre? Ta pampa de Maul kuno chito planito nabu. Sur Naboo? Il doit sûrement viser la conférence de paix de Padmé. Tu as raison, chevalier Jedi. Mais cette Limas Hutt et toi ne vivrez pas assez longtemps pour le répéter. Tu ne me laisses pas le choix. Tout ça devient intéressant. Je pensais pas voir les Death Watch. Je pensais pas du tout voir les Death Watch dans ce jeu. Et encore moins du coup Darth Maul et son syndicat du crime. J'imagine que tout ça doit pas vous parler si vous avez suivi juste les films 1, 2 et 3 de la prélogie. Mais tout ça est bien clairement détaillé dans l'animé The Clone Wars. Notamment dans les derniers arcs de la saison 5. C'est marrant parce qu'il me semble que j'avais mentionné les Death Watch et Previsla dans le premier épisode justement de ce Let's Play. Star Wars Battlefront 2. Sum stuka ti chuba ti da isa grande oto sum da isa do. Jabba, tais-toi. Les rumeurs sur Naboo sont inquiétantes. La délégation de médiateurs de la sénatrice Amidala doit s'y rassembler. Je redoute le sort que Dark Maul leur réserve. Tu dois t'y rendre sur le champ. Que la force soit avec toi. Tout va bien. Direction Naboo. Avec Dark Maul, tout ça. Naboo, Dark Maul. Je sais pas. Épisode 1. Ça sent le final du Let's Play bientôt, ça. Peut-être un ou deux épisodes encore. À voir. Je ferai de mon mieux. À moins que je me trompe. Je peux me tromper grandement. Retourne sur la zone d'atterrissage et trouve un vaisseau qui fera l'affaire. Et je pense que Dark Maul, en termes de boss de fin, pour un scénario sur la prélogie, ça peut être pas mal. Naboo. De toute façon, il n'y avait que 4 planètes, donc Naboo étant la dernière. Décollage. Avec le chasseur Jedi pour changer. Au revoir Tatooine, c'était plutôt bien sympa. De toute façon, je mets ma main à couper qu'on va y retourner quand on fera le pack sur la trilogie originale, donc... J'espère juste que ce sera pas la même Tatooine, enfin pas modélisée. Bah là on était sur Mos Espa dans la trilogie originale. Je suppose qu'on sera sur Mos Eisley. Enfin, je pense. On verra ça plus tard.
Allez. L'image d'Ahsoka est bien sympa, mais si on pouvait rapidement aller sur Naboo, voilà, il suffisait de demander. Ça va, les temps de chargement, c'est pas excessif non plus. Oula, blocus. Gros blocus. Voilà Naboo, droit devant. Mais on dirait que Dark Maul et son collectif des ombres font le blocus de la planète. On ne pourra atterrir qu'après avoir détruit leur vaisseau. Alors, attendez une petite seconde. J'imagine que je dois détruire les droïdes vautours. Tout simplement. 14? Ah ouais, quand même. Toujours des musiques à droit d'auteur en arrière-plan. Je vais douiller. Ces croiseurs de la République ont besoin de temps pour charger leurs canons. Défends-les contre toute attaque de chasseurs droïdes. Ouais, ouais, bah on est en train de le faire, hein. Tu ne me laisses pas le choix. Est-ce que c'est passé à 20 cibles à éliminer? Plus facile à viser et à tirer quand même que sur Battlefront 2. Ouais, clairement. Après, bon, c'est un jeu pour les enfants et les casual Disney Infinity, donc forcément, ils n'allaient pas faire un gameplay trop compliqué. Après, je dis pas que celui de Battlefront 2 est mauvais, hein. Il est très simple à prendre en main aussi. Mais ça nécessite de mieux viser qu'ici. Là, on est vraiment beaucoup plus permissif. Bon, il est où le dernier? Ah, en dessous de moi, bien sûr. C'est bon. Les croiseurs vont ouvrir le feu avec leurs canons. Éloigne-toi. C'est bon. L'orbite est débarrassée des forces ennemies. Maintenant, atterris, trouve Dark Maul et règle-lui son compte. Eh bien, j'ai peur que ça soit très très long en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va atterrir, on va lancer un petit peu tout ça, et on va s'arrêter là. Ça sera un épisode beaucoup plus court que d'habitude, certes, mais je préfère garder le gros morceau de la planète Naboo pour le prochain épisode, quitte à n'en faire qu'un. Naboo d'ailleurs, qui est toujours une planète aussi jolie. Bon, et ben voilà, nous sommes arrivés sur Naboo, planète natale du chancelier Palpatine et de Padmé Amidala. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à laisser le petit pouce en l'air des familles, qui fait toujours plaisir. Laissez un commentaire, je les lis tous et j'y réponds. Pensez à aller sur la page d'accueil de la chaîne et activer la petite clochette en haut à droite près de la banderole pour être tenu informé des prochaines vidéos qui sortiront. Et je vous dis à bientôt, gardez la forme !